Créer le croquis d'une métropole et le rendre interactif avec la programmation, ça vous intéresse? C'est le projet du récit Univers social qui a été expérimenté dans la classe de Sylvie en géographie de première et secondaire. Dans ce projet, les élèves ont pu mettre en œuvre leur créativité en utilisant le logiciel de programmation Scratch et le microcontrôleur MakeyMakey. Trois étapes essentielles. La première, faire la recherche documentaire. Donc, on avait vu de l'information déjà avec le cahier d'exercice. On avait vu Montréal un peu en profondeur sur qu'est-ce qu'on y retrouvait. Dans le dossier documentaire, c'était plus général. On allait chercher de l'information sur le transport, sur les infrastructures, sur les services. Donc, vraiment tout ce qu'on doit retrouver dans une métropole. Ensuite, deuxième étape, les élèves doivent créer un croquis, donc inventer une ville de A à Z en remettant les éléments qu'on avait trouvés dans la recherche documentaire. Donc, encore là, mettre l'emphase sur un élément qu'ils ont choisi. Il y avait différents thèmes, différentes caractéristiques de ma ville. Et là, ils devaient donc choisir un élément qui allait ressortir sur leur croquis. Et on a mis un centre-ville au milieu. Puis on mettrait genre des moyens de transport comme des bus, des métros pour que notre ville ne pollue pas trop. L'autobus est là, tu fais Vion jusqu'à là, il te dépose. Après, il peut aller chercher d'autres là pour les amener au centre-ville. Après, il va y avoir les lieux de travail, les industries, les bureaux, les éléments naturels, c'est quoi? C'est pour ça qu'avec votre légende, tu mets une couleur que c'est des bâtiments, que c'est une usine, une autre couleur que c'est des restaurants. Le fait de le faire en format maquette comme ça, ça permet quoi? Bien, ça permet comme de pratiquer notre créativité. Ouais. Bien, aussi de savoir s'adapter avec nos coéquipiers. Comme, par exemple, qu'il y a une idée, puis moi j'en ai une différente, bien, comme s'entendre. Aussi, c'est plus facile à imaginer que genre dans notre tête, parce que là, tu as un plan 3D un peu, donc... Prochaine étape, suite au croquis, c'était la programmation, donc rendre ça vivant avec Scratch et MakeyMakey pour mettre de l'interaction entre mon papier puis la programmation. Le but aujourd'hui, bien sûr, c'est d'avancer votre croquis s'il n'avait pas été fini au dernier cours et c'est de commencer à faire les défis. Ensuite, mon interface de Scratch, là, quand que je fais une programmation, ça ressemble à ça ici. Alors, j'ai mon bouton ici, des blocs de programmation avec des thématiques différentes. C'est ça qu'il va falloir que je vienne assembler à l'autre page pour être capable de donner les ordres, qu'est-ce qu'on fait. Et vous avez les indications, quels sont les blocs à aller chercher. Dans ce projet, on propose différents défis Scratch aux élèves. Puis, à cet égard-là, bien, ils sont amenés à trouver des solutions, à déboguer leur programme. Et nous, notre rôle comme CP accompagnateur, c'est de les amener tranquillement vers la réponse en leur donnant des indices afin que ce soit eux qui puissent la développer. Il y a des élèves qui sont plus autonomes dans leur démarche. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de soutien et c'est normal. Il faut faire un peu de différenciation à travers tout ça. Mais ils sont toujours bien heureux lorsqu'ils arrivent à trouver la réponse par eux-mêmes. C'est une réussite pour eux. Mouvement, avancer 10 pas. Moi, je peux faire répéter, hein. Moi, j'avoue, je vais faire répéter. Ça simplifie la vie. Répéter 10 fois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire dans dans ta programmation? Dans ma programmation, j'essaie de faire que ça fasse que c'est le jour. Donc, il y a beaucoup de trafic sur les routes des métropoles. Et quand ça tombe dans la ville de nuit, il y a juste des bruits de criquets pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de trafic puis qu'il y a juste quelques autos qui passent. L'emphase devait être mise là, sur ma maquette. Donc, mon point central, c'est le dessin que les élèves font. Alors, Scratch vient ajouter là, de l'explication, une manière de l'illustrer. Et le MakeyMakey est essentiel pour faire le lien entre mon dessin et mon croquis et la programmation. Ce que je veux, c'est que la maquette, je vienne toucher à mon dessin pour que l'activation, l'action se propage puis se réalise. L'explication arrive sur pourquoi j'ai ça dans une métropole. Là, essaye. On est des ingénieurs, fait qu'on testait avec les boutons, voir si ça marchait, tout. Puis là, on regarde si la police a fait bien sa job à l'hôpital. Puis là, t'as dans la banlieue quelque chose.
Trafic. Ah, c'est cool! Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste Makey Makey? Donc, Makey Makey, c'est pour connecter ta maquette à l'ordinateur pour que l'animation se fasse quand tu appuies sur ça. Makey Makey, c'est une plaque avec un circuit imprimé qu'on va connecter à notre ordinateur avec un fil USB qui va permettre d'alimenter le circuit. Par la suite, on va brancher des pinces crocodiles, des connecteurs qu'on pourra associer à des objets qui sont sur une maquette. Sur notre Makey Makey, il y a des espaces qui illustrent les touches d'un clavier, donc la barre d'espacement, les flèches gauche-droite. Et lorsque les gens vont programmer leur Makey Makey, ça pourra déclencher de l'interactivité sur une maquette, un peu comme lorsqu'on va dans un musée ou une exposition interactive. Ça pourrait déclencher une animation, des effets sonores et ainsi de suite pour rendre le tout un peu plus dynamique. De faire le projet comme ça au début de l'année, ça crée des liens différemment aussi déjà, là, parce que les élèves, de travailler en équipe, on voit les points forts, les points faibles de certains. Moi, d'avoir une relation différente que de donner juste un cours magistral à l'avant puis d'aider à faire la correction de cahier, bien de faire le projet, bien déjà, il y a plus d'interaction entre moi puis les élèves. Donc ça, c'est une plus-value. Ça, d'apprendre différemment, parce que le cahier, c'est bien pratique, là, mais de sortir de cette zone-là pour les élèves, d'être plus en action, bien aussi, ça montre là, qu'il y en a que je ne verrais pas, qui ne répondent pas quand que je pose des questions en classe dans un cours plus conventionnel, mais que là, dans ce concept-là, ils ont plein de questions là, qui pop, puis que là, bien, en circulant dans la classe, en projet, bien, c'est plus facile d'aller au-devant de ces élèves-là ou de répondre aux questions qu'ils n'auraient pas osé poser dans un autre contexte. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.